Vous êtes sur Diogène, l'heure de la chronique c'est bon pour la santé comme tous les matins et nous accueillons Serge Rafal en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous aviez envie ce matin de nous parler de la perte d'odorat dite anosmie, symptôme presque spécifique hein, de la Covid-19. Oui, Ilana, tout en sachant qu'elle n'est pas uniquement liée à l'épidémie actuelle. Je souhaitais évoquer les résultats d'une étude fort intéressante réalisée par les chercheurs du CNRS de Lyon et publiée récemment. Bah alors que nous disent ces scientifiques Justement que c'est perturbations sont assez fréquentes hors Covid puisqu'elles touchent près de 30% de la population, en particulier chez les plus de 60 ans. 1 à 5% souffrent d'anosmie, 20 à 25% d'hyposmie, mmh. soit une perte seulement partielle de l'odorat. Et ces chiffres ont probablement augmenté avec l'épidémie Évidemment, puisque plus de 2 millions de cas ont été observés en France et que l'anosmie et la gueusie, perte du goût, sont présentes dans 50 à 90% des cas de Covid, selon les publications et les pays. Les Chinois, curieusement, mmh. n'en avaient pas parlé. On sait combien de temps durent ces symptômes C'est Très variable, il en a, transitoire pour certains qui récupèrent en quelques jours, plus longtemps voire permanent oui. pour d'autres. Nous n'avons pas un recul suffisant pour être plus précis. C'est quand même assez inquiétant. Quelles sont les conséquences de ces symptômes Là, par contre, je peux vous répondre. Quelle que soit son origine, la perte olfactive modifie bien sûr le comportement alimentaire. La richesse perceptive est parfois tellement réduite que le plaisir de manger peut disparaître, avec différentes conséquences. Nutritionnel d'abord, les patients forcent sur le sel ou le gras afin de tenter de retrouver un goût disparu. Psycho-familial, quand c'est la maîtresse de maison et des repas qui est touchée et se détourne de l'alimentation délaissant ses fourneaux. Social, enfin, car d'aller au restaurant ou déjeuner avec des amis devient alors une contrainte, voire une corvée. Avec une diminution indiscutable de la qualité de vie. Oui, bien sûr, il en a près d'un tiers des dysosmiques et anosmiques basculent d'ailleurs dans la dépression. Bon, il faut, euh, j'imagine, impérativement les prendre en charge. Un tiers des patients guérissent sans aucun traitement. Pour les autres, il est nécessaire d'entamer une rééducation olfactive, un training simple et ludique qui double les chances de récupération. En tout cas, l'étude dont vous parliez souligne un manque d'attention et de prise en charge de la part du corps médical. En effet, les chercheurs constatent que dans deux tiers des cas, l'anosmie ou l'hyposmie servent juste à affirmer le diagnostic sans que soit proposée au patient la prise en charge d'un trouble, finalement pas aussi anodin qu'on pourrait mmh. l'imaginer. Alors pour conclure sur cette étude, Serge. Euh, l'étude insiste d'abord sur la nécessité de faire prendre conscience au corps médical de l'existence de méthodes qui peuvent aider. Les patients anosmiques sans seulement attendre la correction spontanée du trouble avec le temps et surtout de leur proposer une prise en charge fort utile voire indispensable. Une vie sans goût et sans odeur devient vite une vie sans saveur. Et oui, forcément. Merci beaucoup au docteur Serge Rafal qu'on aura le plaisir de retrouver dès demain sur Radio J.